il risque d'y avoir parfois un petit peu de retard dans mes vidéos, peut-être plusieurs jours même de retard. Ça va dépendre de la température, parce que je ne peux pas brancher la clim pendant que je fais mes vidéos, sinon le bruit serait beaucoup trop élevé dans le micro. C'est un micro non, qui est omnidirectionnel, malheureusement. Et donc il prend tous les bruits alentour, hein. Vous entendez d'ailleurs les voitures, tout ce qui passe. Donc voilà, là je ne pourrais pas faire grand-chose. En plus j'ai une fatigue oculaire de plus en plus qui me fait de plus en plus souffrir. Et donc comme ici c'est écrit assez petit, j'ai vraiment des difficultés avec ça. Donc je n'ai pas suivi du tout ce qui s'était passé dans, dans ce qui... On va revoir l'historique. En tout cas, ici nous voyons que nous faisons une crise d'égoïsme. Et l'effet est léger, nous avons déjà perdu avec de la relation avec un leader, dans 6 tours ça sera le maximum, on a gagné un fils de... voilà, un fate point. Nouvelle époque, 1 de 13, heureusement que ça dure moins longtemps que ce qui est bénéfique, le bénéfice qui est positif, dirons-nous. On a nos soldats qui ont monté de morale, on a gagné la curiosité. Je ne sais plus ce que c'est. C'est du mine, il me semble, ça. Ok, il vient d'industrie, le moteur. On a trouvé pas du tout ce que je voulais. Moi, je voudrais bien que vous me donniez les petits bonshommes avec des bazookas, monsieur. Et pas des gros machines comme ça. Alors, mission impossible. Bah oui, ça, c'est pas mal, mais c'est très difficile à faire. Il vous faut vraiment un gros champion pour le lancer. Ça vous donne des fate points. Ça vous donne des fate points. Mais bon, ça coûte très cher, bien entendu. Et puis, je vous dis, pour y arriver, c'est pas évident. Blitzkrieg, très bien pour les mécaniques. Les mechanized force. Action et attaque grandement améliorées. Par contre, tu perds de la défense et tu peux pas te retrancher. Mais c'est uniquement avec les mechanized force. Et donc, les tanks, ça marche très bien. On a une IM comme taxe. Il faut que je change ça aussi. Et ça. C'est de l'intérieur, je pense. Oui, c'est une convention de gouverneur. Ça les améliore tous. Mais autant en avoir plusieurs, hein, parce que ça coûte très cher, bien entendu. On y va. Senspai Team, Senspai, malheureusement, c'est pas cela que je voudrais. Limit Trade, c'est pas ça que je veux non plus. Limit Science non plus. Tout ça, ça, c'est pas mal. Hein. Ça coûte 5 et ça permet d'augmenter, sans faire de test, les relations avec nos voisins. Bon. Regardons un petit coup du répertoire. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Donc là, bah, tout est parfait. 22 taxes. Donc ok, on va monter de 10. Je suppose qu'il n'y a rien de spécial à part, comme d'habitude. Oui. Les demandes, on n'en avait plus. Le trésor. Le trésor. Sans crédit. Sans crédit. On peut monter à 30%. Oui, sans là, ça serait bien d'avoir son petit cousin, hein, en import. Et nous n'avons rien vendu. Mais pourtant, nous gagnons 15 crédits. Enfin, à peu près, je pense, 15 crédits. On va peut-être descendre ceci, ça ira plus vite. Décision archive. Alors, foreign affaires. Ah, quand même. Tu m'as donné découvert les techniques de communication. C'est bien, parce qu'on n'avait rien eu le tour d'avant. Ok, et nous avons de l'archéologie. Est-ce que tu m'as trouvé un nouvel emplacement? Non, tu m'as pas trouvé de nouvel emplacement. Parfait, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Je veux voir les régimes. Je veux voir toi, mon ami. Je voudrais que tu me donnes les advanced sensors, ça me ferait plaisir. Ok, ça aussi, ça me ferait plaisir. Donc, tu nous as donné les communications techniques. Ok. Toi, est-ce que tu gagnes tu 180 000, 64 000? Vidaemnitz, comment sont les people chez toi? Ils doivent pas être très heureux, je suppose. Ah, à force qu'on les embête. Qu'on les embête. Crusaders sont de toute façon en dernier lieu. Donc, jusque-là, ça va. Bon, Zandmark, tu es toujours copain? Tu es toujours copain. 82. Braunmark, tu es toujours. De plus en plus copain, 77. Ok, Wilhelmitz, tu voudrais bien être copain, mais nous, on ne veut pas. Ok. Ok, décision.
Ça, c'est le genre de décision qui est désagréable à recevoir. Faut pas les accepter. C'est le genre de demande tu oublies, à moins qu'ils te donnent tous les points dans d'autres décisions, hein, en même temps. Mais bon, déjà là, on n'a pas. Mais c'est le genre de truc, surtout quand c'est très haut, hein, comme 60 par exemple, 50, même si c'est déjà trop haut. Eh bien, il va me falloir 5 points, mais comme il va être diminué parce qu'il est plus haut que. Ils ont plus que 100, enfin, etc. Et puis, vous n'aurez jamais un événement. Généralement, vous n'avez pas d'événement dans ce que vous voulez avoir. Donc, il vaut mieux refuser. On refusera en dernier lieu, bien entendu, c'est pas la peine de faire des malheurs, des tristesses à tout le monde. Alors, toi, mon ami, tu veux quoi? Ben, tu veux. J'ai pas besoin d'hydroponique ni de powerplant. On va prendre du vitcom. Par contre, je ne veux pas que tu me fasses ça. Je veux que tu me fasses de la recherche, de la découverte plutôt. Même si on est avec notre copain Wilhelmnitz, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce qu'on tourne avec non, c'est pas l'intérieur, c'est l'économique. Le voilà. Alors, économique, déjà. Ok, 9 points. On a perdu 14 points, bien sûr. Donc tu as 100% en recherche. Je ne veux plus que tu me fasses du 100% en recherche puisqu'on a découvert tout ce qu'on avait besoin de découvrir, mon ami. Donc tu me fais pour le moment 23 points avec ça. Cool. Priorité. Merci madame, merci monsieur, merci mademoiselle. Tu vas me refaire un petit ouais, 15%. Aïe, 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 15%. Et comme ça. Voilà. Pas d'économique, pas de prospecting, hein, que du bon, que du propre. Voilà, madame, s'il vous plaît. Vous, monsieur Sonny Greenhill, vous êtes excellent personnage, mais ça va être peut-être la même chose. Military Recherche, tu as 15%, tu es à 85%, 134, on avait fait de nouveau 45 points, 50% de trop, on voit ici. Donc on va diminuer de moitié ce truc. Surtout que tu es de plus en plus fort. Non seulement t'es de plus en plus fort, mais en plus j'ai de plus en plus de BP. Donc on en perd trop, quoi. Donc avec 120 BP, on a fait 145 de recherche. Je te change tes priorités. Et je souhaiterais que tu descendes à 40 points, à peu près. Voilà. 40, 60. Confirme. Bien, tu vas me rechercher pour faire du turbopropre, pour améliorer encore nos avions. On peut faire le jet engine, mais à ce moment-là, ce n'est pas pour améliorer les avions, c'est pour ouvrir de l'espace. Faisant ceci, qui me permet d'avoir plus rapidement, donc, parce qu'il faut toujours 3 pour venir ici dedans. Je sais pas lire. Tactical nuke, atomique, oui, tout ça c'est nucléaire, radiation cleansing, et celui-ci, donc high-tech industry, turbojet, chargé de gauss, laser rifle, très important, laser rifle, laser guns. On va sur le turboprop. Allez, ma poule, vas-y, fais-moi le turbopropre, le turbopropulseur. Voilà. Ensuite, ce design, donc on ne va pas faire d'avion, certainement. Maintenant, je voudrais bien avoir le bazooka, s'il vous plaît, madame. Vous également, comment vous êtes-vous? Madame Design, 30%, 70%. 70%, j'ai fait 51 BP. 51 BP. Donc 51 BP, 50 BP, 60 BP, 240 BP, 160 BP, on pourrait faire ça, mais après tu vas me donner encore autre chose. Je veux absolument avoir mon bazooka.
Est-ce qu'il y a encore ça aussi qu'on peut trouver? Non, on ne peut pas le trouver, je pense. Si, on peut le trouver. Si je fais le rocket launcher, tu vas me filer le missile launcher. Non, on n'a pas les missiles, donc ça irait. Là, et hélicoptère aussi. Ah là 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 là. C'est embêtant de pas avoir de bazooka. Bon, alors il y a une autre possibilité. C'est de faire des anti-tanks. On pourrait relancer un anti-tank parce qu'on a un design de mauvais ici. Même chose, on a un design ici qui est mauvais, mais moins mauvais que celui-là. On pourrait faire un anti-tank. On pourrait relancer un anti-tank. Un anti-tank va me coûter combien? Un nouveau modèle va me coûter 120. Ouais, on va regarder ça. Allez. Anti-tank. Non, pas bold. On fait ceci. Alors, tu veux de la velocity, bien entendu. Bon, on doit tuer le GR, mais bon, c'est pas parce qu'on a 1200 qu'on le tuera. Parce qu'on peut aussi bien le tuer avec un point qu'avec 5000 points, hein. Ça, on le sait. Et donc, c'est quand même pas. Il faut quand même quelque chose qui soit raisonnable, hein, parce qu'on va pas tomber sur des GR tout le temps. Donc moi je pense que si on rentre dans un. Ils ont quoi leur Hummel pour le moment? Où est-ce que je suis? Ici. Ils sont dans quoi leur Hummel? Donc pour le moment, leur Hummel, il est avec une. Ils ont un 105 de high value et ils ont 100 mm de steel plating. Donc on divise le firepower par 100 mm. Donc du moment qu'on a 100, 105 mm, on est bon avec un high velocity. Mais bon, on va faire un petit peu plus. Donc je veux un nouveau, comme je dirais, ici, tac, new brand. Tu me fais un. Donc ça, j'ai assez pour les buter, les médiums. Et c'est quand même déjà 42 et 2-3 d'amour. Hein. Ça, c'est beaucoup plus. 48, c'est 6 métal et 2,6 amour. 56 IP. Ouais, c'est cher. Hein. Mais bon, là on passe avec 150 divisé par 100, donc on a 50% d'avantage dessus, de ratio. On va prendre ça. On va se prendre une combat armure. Et on est parti. J'aurais pas dû prendre une combat armure. Si, bon, pas grave. Je refuse ça, mais c'est pas le moment. Stratagème. Les small stratagèmes, j'ai besoin de voir clair, s'il vous plaît. Alors, pour le moment, je suis toujours coincé avec ceci. Et lui est à 73 seulement pour le moment. On va pas travailler avec ça pour l'instant. Cover-ups, je voudrais bien avoir. Non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas mal, mais c'est mieux l'autre, hein, qui coûte 5 et qui vous en donne 6. Mais c'est un peu plus dur à réaliser. On va quand même se balancer des mecs, parce que j'ai besoin de voir clair. Là-bas, je ne vais pas y arriver avec 128. Par contre, je peux lancer un ici. C'est qui ça? C'est Fall Trench, toujours. Ah bah, c'est. Ouais. Je veux voir les. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Londres. Non. Carréca, c'est chez moi. Wilhelmnitz, ça coûte très cher. C'est dur en tout cas d'y arriver. Toi, Topelia. Bon. Hanson, c'est chez nous. Fall Trench. C'est le même prix. Rostock, c'est en marque. Altona, c'est un peu plus cher. 104 et c'est toujours la même chose. Et toi, Landsberg.
Landsberg, tu me coûtes pas cher. Toi, je vais te mettre un spy, ça devrait être suffisant. Ouais, bon, on va mettre un deux spy, rien des comme pas. Voilà. Pouf. Ok, donc on a fait nos spy. On va attendre de voir un peu plus loin. Est-ce que je peux envoyer un seul spy, mais sur ici? 108 pour 57. Allez. On ne sait jamais. Oui, 138, c'est bien. Bon. Bon, mais il ne doit pas rester longtemps. Hein. Logiquement, généralement, ça reste pas très longtemps. Ça coûte 53, on n'en parle même pas. Mais c'est pas mal, c'est pour foutre des rébellions chez l'autre et diminuer le moral des armées, des extérieurs. Donc là, pour le moment, on peut aussi envoyer peut-être un team ici chez notre copain pour voir un peu ce qui se passe, un peu plus. Hein, voilà. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. 105, on a fait un critique, donc il s'en prend 6. Voilà. On va voir un petit peu plus clair maintenant dans les terrains. Et le fait d'avoir des gens, d'envoyer des espions, ça vous permet également de modifier des factions. En tout cas, d'aider des factions que vous souhaitez, parce que vous allez récupérer des renseignements. Bon, ben, comme d'habitude, hein, c'est un ministre qui couche avec sa secrétaire. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, vous le dénoncez à une faction que vous voudriez. Voilà, vous avez compris le principe. C'est pas très compliqué. On continue nos stratégies. On a les nations. Alors, ici, je dois me refaire un income tax. C'est fait. On n'en a plus besoin. Et il n'y a pas. Non, il faut que tu fasses comme ceci. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose pour le moment? Non, j'ai de la paranoïa. On pourrait se faire une petite paranoïa. 4 des 10 de fear. Ouais, pourquoi pas. Si on regarde. Carica. Il faut que je remonte. Voilà. Carica, comment vis-tu? De la fear. Bon, t'en as plus. Il t'en reste deux. Pas un petit peu de danger. Oui, on va te foutre de la fear. Enfin, j'espère que ça sera à toi. Je crois que l'autre n'en a pas du tout. On sonne. Et la fire, si jamais il y avait du. Non, c'est que du danger. T'es bon ici. Ok, on va se faire une paranoïa. Hop. Et qui est-ce qui a reçu la paranoïa? C'est pour. Carica. 23 points. Ah, c'est quand même pas mal, 23 points. Bon, c'est la moyenne. Hein. Deux petits points, deux gagnés. Donc, ça, comme je dis, c'est assez génial, mais vous voyez, il faut 150. Et c'est pas mal. C'est qui est-ce qui. Ça serait elle. Donc là, si vous réussissez, ça vous donne deux extra fate points. Et si jamais vous faites un critical, bon, ça double. Vous avez 4 points. Mais bon, c'est quand même 150 points déjà là. Hein. Donc il faudrait déjà 200 pour faire un critical. Ça vous coûte 62 pp, mais hein, il faudrait déjà qu'elle soit costaud, ma copine là. Mais c'est pas le cas pour le moment. C'est du leadership hein, qu'elle a besoin. Hein. C'est du leadership qu'elle doit faire là-dessus. Elle est pas mauvaise hein, pourtant ma petite là. Genre leadership. Non, elle n'a pas des tonnes, elle n'a que 60. Enfin, c'est pas mal quand même. Bon, ok. On avance. Je veux appeler madame. Mais je crois que je ne sais pas si je l'ai fait. On va regarder tout de suite. Nous regardons notre économique Kunsen. Économique Kunsen. Oui, ça, c'est fait. C'est pas ça que je veux voir. C'est intérieur Kunsen. Intérieur Kunsen. J'ai de nouveau de la taxation à 40%. C'est fini. On n'en a plus besoin. Priorité. Puisque maintenant, j'ai mes taxations. Sont faites, boum, on peut tourner à zéro. J'aurais dû bloquer ce qu'il y avait en dessous, tant pis. On peut garder maintenant un petit 5%, ça sera bien. On en a une fois de temps en temps. Ça, c'est pour les cartes, les conseils entre. Mais bon, c'est les cartes qu'on va conserver pour le moment et on ne les jouera que plus tard. Donc ça, c'est lancé. J'ai besoin de tarifs encore, mais j'ai avoir besoin maintenant aussi d'un petit peu d'humain de ressources. On a assez de pognon pour le moment, mais il me faudrait maintenant un import, un tarif sur les imports.
Donc je pense qu'avec un petit pardon, un peu vite, avec un petit 30%, on devrait finir par en avoir. Et le reste, ça va être pour virer, en prendre des nouveaux, en virer, etc. Et d'ailleurs récompensé avec des médailles et patati et patata. C'est parti, mon kiki. Nous avons beaucoup de points pour le moment, mais il va me falloir que je commande un nouveau les Applied Science et les Navigation. Et l'aviation, voilà. C'est tout ce qui reste à faire. Stratégie, on continue. Tarif, je n'en ai pas. HQ, j'ai un Blitzkrieg. Donc, on peut mettre ça pour le moment, si on le désire, sur nos. On peut le faire, sans problème. Mechanized Force, qui est-ce que c'est? Mechanized Force, c'est nos tanks. Bon, pour le moment, je pourrais mettre ça. Ouais, on va jouer une petite seconde avant. Hein. On va regarder un petit peu ce qui nous reste. Donc, ça, je suis très mécontent d'avoir ça. Celui-ci, bon, on va le garder pour l'autre. Tout ça coûte très cher. Ligueur industrialiste, je crois qu'on en a déjà mis un. Il y en a, on va attendre pour le suivant, que ça monte plus haut. Un assistant de propagande, c'est pas mal. Un personnel garde, c'est bien. Shadow, tout ça. On va attendre d'avoir ce qui convient. Toi, c'est pour du charisme, hein, je crois. Ouais, charisme. Ça t'améliore ton charisme. Et toi, c'est juste une protection si je mets un pépin. Que tu irais sur le champ de bataille ou qu'on essaye de t'assassiner. Et les unités, pour le moment, j'oublie. Donc, on a fait tout notre tour de stratagème. Reste maintenant la gestion de la bataille. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de petites bestioles comme ça, un peu partout. Et il y a quoi d'autre? Ton GR, il est où? Il est ici, ton GR. Tu t'es déplacé, mon ami. Ça peut devenir dangereux, toutes ces petites histoires-là. Ensuite, on a celui-ci qui est quand même attaché pour le moment. On va avoir à attendre un petit tour, je pense. Est-ce que j'ai fait mes assets? Non. Alors, ici, on voit qu'on a un pépin. Mes assets. Vous voyez ici, on a Brand, on a une moto. Qui s'est arrêté à Brand et qui à Brand me fait un Metal Mine 3. Mais il n'est pas raccordé. Alors soit je peux le raccorder comme ça, soit je peux le raccorder comme ceci. C'est-à-dire que je peux aussi prendre celui-ci. Ouais. On va se mettre ici, R, Dirt, ici, voilà, comme ça. Voilà, parfait. On doit maintenant travailler un petit T pour éviter que on m'aille tout compris. Je veux plus personne par là. Et ça sera la même chose ici. Je ne veux que personne vienne ici, même pas les Pole Points, puisque c'est une. Ce sont une mine d'eau. Donc on n'en a rien à cirer de la flotte. Hein. D'accord avec moi. Et ensuite, là, on va un petit peu modifier ça parce que j'ai remarqué qu'on n'arrivait pas à se débrouiller avec. On va plutôt bloquer, disons, 95% au-dessus, sauf les pull points, et on va débloquer en dessous, comme ceci. Voilà. Ce qui devrait nous donner pour le tour prochain, puisqu'on a vu qu'on était de toute façon, j'arrivais pas à bloquer tout ceci. Hein, donc. Autant le travailler de cette manière-ci. On a 700 par ici, on a 700 jusque-là, donc c'est bon. Par contre, je vais bloquer ici vers le haut, sauf disons les pull points. Et on bloque vers le bas. Donc là, il en reste 137, ce qui est bien. Et je me donne un petit peu plus ici. À la limite, je peux encore te donner un tout petit peu plus, 5%, ce qui te permettra, voilà, t'as 73 et puis t'as encore 190 si je voulais ajouter, faire des remplacements, etc. Hein, qui me manque un petit peu de points, quoi. Voilà, donc, tu peux le travailler comme ça. Allez, à la limite, encore un tout petit peu plus. Oh mon Dieu, 80%. Allez, hop, comme ça, on est sûr
que nous avons assez de points là, nous avons assez de points ici, et nous aurons assez de points sur toute la ligne. Par contre, est-ce que j'ai besoin de travailler une mine avec trois personnes dedans? Ça va être une bonne question. On peut regarder, est-ce qu'on a fait nos assets? Donc, il nous reste deux tours, deux ici. Nous avons. Ça, c'est OK. On a les Seaworks ici. Donc, la Metal Mine nous donne pas mal de monde. Ceci, c'était déjà. On l'avait coupé à 25%. Notre bouffe ici. On en a beaucoup de la bouffe, hein, je crois. 3005 de nouveau, on en gagne 470. Est-ce que je peux en vendre? Ça serait peut-être une bonne question à se poser tout de suite. Si je pouvais en vendre, ça serait parfait. Métal, ah non, non, il n'y a rien du tout à vendre, ni fuel, ni food. J'ai droit à 5000, 6000, 5100. Je pense qu'on va descendre à 75%. Voilà. Il faudrait que je passe ici dans le trou. Alors, comment vais-je rentrer dans ce petit trou-là? Dans ce trou-là-là. Nous avons trop de monde ici. Beaucoup trop de monde. Et on va essayer d'avoir un brun partout là ou un orange partout là. Du vert. Du vert, moi j'ai du mal avec ce vert. Vous n'avez peut-être pas de mal, mais moi j'ai quand même du mal à distinguer entre quand c'est en attaque, c'est tout petit. Et j'ai du mal à distinguer le vert du bleu. Donc on va reprendre cette petite madame ici. Voilà. Non, c'était l'inverse. Pardon. Boum, j'en reviens. Ben, elle est là, donc c'est elle tout de suite que je prends. Et on va la mettre dans une couleur un petit peu plus. Même si c'était plus ou moins correct, je vais dire. Mais du blanc tout court, ça peut pas aller du blanc. Hein, si ça devrait pouvoir aller du blanc. Hein. Le seul problème, le blanc, c'est que vous voyez plus le chiffre. Et ce chiffre, c'est affreux. Pourquoi il a mis ce chiffre en blanc? Le chiffre devrait être noir, les chiffres ici. Ça serait quand même nettement mieux parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à les distinguer. Bon, nous avons besoin d'envoyer. Nous avons ici deux brins. Nous avons un brin. Nous n'avons pas M. Nous n'avons pas de brin. Donc, je dois venir avec un brin d'ici jusqu'à. Pas la base, en fait, oui. Un brin ici. Oui. Ça, je n'ai plus besoin du G non plus. Hop, c'est parti. Ça, toi, tu es un milicien, toi, je te reconnais bien grâce au G, c'est parfait. Donc, ça, ce sont deux anges. Lui, il a quand même plus de difficultés, il est un petit peu plus malade, dirions-nous. Je vais rentrer dans ce trou avec beaucoup de monde. Avec tous ces gens-ci. Comme ça, j'ai du brun pour attaquer là. J'ai du rouge, rouge, rouge. Oui. J'ai du brun pour attaquer là. J'ai pas besoin de tout ça, à mon avis. Toi, tu es rouge. Bah, tu peux aussi venir en rouge aider ton copain. Ensuite, toi, bah, venir là ne dérange personne. Il me reste un mec ici, il me reste trois mecs ici. Toi, bah, viens ici. Voilà, on est un peu tranquille comme ça. On a deux là.
C'est tous les deux des rouges. Un rouge là et du rouge ici. Ok, donc comme ça on est bien. Ensuite, deux rouges. Ici, ce sont des. J'ai un jaune qui m'embête. Ça, c'est un jaune qui m'embête, qui devrait être remplacé par. Les bleus non plus. Ils sont pas au bon endroit, les bleus. Ils devraient plutôt revenir ici. Combien j'ai de jaunes? J'ai deux jaunes. Est-ce que j'ai des jaunes ici? J'ai un jaune. Je ne devrais avoir que des bleus finalement ici. Que du bleu. Et des jaunes là. Bon, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Là, je suis un peu court. 1, 2, 3. Et ici, 5, c'est beaucoup. Ici, on ne peut être attaqué que par maximum 2 cases. Là, on peut être attaqué par 3. Ici, on peut être attaqué par 2,5, 3, oui. Donc, on va devoir bouger également ici. Donc, 4, non. 3, oui. Toi, tu vas en recevoir un. Tu vas recevoir un brun. Toi, tu es à 206 et toi, tu es à 193 quand tu viens ici. Voilà. Comme ça, on est pas trop mal, je vais dire, sur notre défense. On a 4 partout et par contre, on est un petit peu bloqué. Ceci, toi, le jaune, tu vas venir te promener ici dedans. Bien, tu as coupé le chemin, puis tu reviens. Parfait. Là, malheureusement, ben, je suis un peu bloqué. Oh, pourquoi je suis bloqué? Pas sûr. Hein? Non, non, il n'y a rien de. Si tu es quand même en défense, mais ça, la défense, c'est pour les infanteries. Et ça, c'est pas de l'infanterie. Il n'y a que toi. Et c'est des soldats niveau 2. Je vois qu'on a aussi ce petit monsieur qui est là-bas, qui pourrait très bien revenir dans ce coin-ci. Il est remplacé par le camion en attendant ici. Ouais, c'est pas une mauvaise idée non plus. Ensuite, là pour le moment je ne peux rien faire. Ici, j'hésite quand même sérieusement à l'attaquer. Mais il faudrait quand même l'attaquer avec avec ça par exemple, avec celui-ci. Combien j'en ai? Je n'en ai qu'un d'Abraham. Correct. Si je t'attaque, du bleu. Et du bleu. Pas toi. Là, je suis à 1,7. Hmm, 2,4. 3,8. C'est quand même assez limite. C'est assez limite. Bien de passer. Je voudrais bien le passer. Ouh. Ah, il m'a buté mon medical team. Line Troops 2, hein, que tu me tues, là, mec. Tu m'en as buté 4. Ouais. On va avoir du mal, hein. On va avoir du mal. Mais on va peut-être y arriver. Non, on n'y arrivera pas et je risque de me faire buter, mais tous mes personnages, sauf que vous êtes aussi occupés de retraités, il n'y a que ceux-ci qui vont pouvoir passer
Heureusement, j'ai encore celui-ci qui peut encore tenir un coup. Voilà, là, on termine. Et je dois tenir deux tours ici, alors que ces gens-là, ils vont me rentrer dedans. Ouch. Broken through. Et donc là, ils peuvent se taper un méchant coup, mais le coup prochain, je suis dehors. Ouf, on les a pas perdus, c'est déjà ça. Tu vas me dire, c'est pas des niveaux 2, hein, c'est des niveaux 1. Et donc c'était une grosse erreur, je le savais qu'il fallait pas attaquer. J'ai perdu pour rien plein de people. Et surtout, j'ai perdu plein de ça. De readiness. Bah, pas une bonne idée du tout, du tout, du tout. Je perds mon entrenchment. Heureusement qu'il y a encore celui-là, mais non, il n'est pas plus que les autres. Il est comme les autres. Et ici, on a encore ceux-là, heureusement, qui vont tenir le coup. Oublie mec, oublie ça. Oublie ça, viens te positionner ici une nouvelle armée. Et une armée d'indépendants. Et on va prendre des... pourquoi pas des buggy aussi. Je suis occupé de faire des anti-tanks, hein, c'est ça? Ouais. Normalement, je suis occupé de créer des nouveaux anti-tanks. On pourrait prendre ça. 220. Aïe, 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 tu me bouffes presque tout. Du motorcycle, par contre. Tiens, n'est pas trop mauvais le motorcycle. Ou alors carrément 50 pites. Ça me coûterait quoi 50 pites? Mais que des Abraham, tu me coûtes quoi? 240. Ouais, je crois qu'on va se prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. J'ai pas aucune confiance dans le reste. Je vais prendre ça. Ah. Ok. Maintenant, il faut que je te positionne. Le problème, c'est que vous n'êtes déjà plus qu'à 50. Et il faut que je vous mette avec une équipe, avec un autre. Pepeille. Laura, tu as du tank Tactica 24. Adam. Tank tactique à 47, c'est pour toi, mec. Donc, Adam, on va t'enlever ceci qu'on va envoyer autre part. Qui est-ce qui a le gun tactique? De nouveau, on revient. Là, 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 17. Tioc. 37. Laura. Et Renata. Donc, c'est Tioc. Qui doit prendre tous les tanks, tous les bidules. Donc tu dois me prendre celui-là et celui-là. Chuck, est-ce que c'est toi, Chuck? C'est toi, Chuck. Ok. Et donc Chuck, tu as une place de libre, c'est la seconde light. Donc toi, tu pars, change HQ.
Et tu vas sur la seconde light. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller sur la seconde light? La seconde light. Là, des motocyclettes. Donc on va enlever les motocyclettes de là. C'est ça les motos? Non. C'est ça, les motos. Donc les bikers, il faut que je les enlève aussi. Les bikers, par contre, c'est de l'infanterie. C'est de l'infanterie. On va la mettre chez les bruns. Toi. Manque-moi un petit peu ça. Mademoiselle, comment êtes-vous, s'il vous plaît? Vous êtes offensive, oui, défensive, démolition, déception, infanterie tactique 49. Je pense que tu es très bien là. Tu es meilleur que l'autre, je pense, oui. Donc on va bouger. Nos mobilettes. Vous, mademoiselle, même si vous n'êtes plus que 62, vous allez passer chez les. Chez la 4e MG. Il y en a des choses à faire. Hein. Hop. 4e MG. Boum. Ensuite, maintenant, je peux m'envoyer celui-ci vers. Choc qui est la seconde light. C'est bien ça. Seconde light. Ok, toi tu deviens seconde light. Change un coup et seconde light, ça passe. Ok. Le canon passe. Je suis la first. Ouais. Bien juste, je ne me trompe pas. Donc toi, il va falloir que je te vire aussi. Donc toi, est-ce que c'est bien Adam qui est le tank tactique? C'est bien Adam qui est le tank tactique. Eh ben dis donc, monsieur, je voudrais que vous veniez chez First MG Infantry. Voilà. Parfait. On se sent beaucoup mieux. Mais c'est pas pour ça qu'on a fini tout notre petit truc ici, mais à peu près. Hein. Donc, les tanks, oui. Je pense qu'on ne peut plus rien attaquer. Même ça, ça ne semble pas intelligent. On est tout seul, on est tout seul. On a pris des gens ici. J'ai vu qu'il n'y avait pas des camions. On n'a plus de camions. Camion, il est là-bas. Ouais, ça devrait passer. Hein. Il y a beaucoup de monde ici. On va redescendre celui-ci. Point. Pourquoi pas une petite motocyclette? Il pourrait descendre avec son copain ici. J'ai vraiment pas envie de perdre ce chemin. Hein. Allez, décision, on refuse. Boum. On a perdu 5 points en méritocratie. Et donc on passe en démocratie maintenant. Allez, on y va. Des munitions, oui, je crois que... Ah non, je n'ai pas fini, hein. Attends une minute, mec. Attends, on va se refaire d'abord un petit peu de munitions, voilà. Et on va pas oublier de faire tous nos petits bidules qu'il faut améliorer. Comme par exemple, on peut améliorer ces trucs ici, il m'en manque deux, et on en a un comme ça. Donc, on va aller là-dedans, on va venir dans... Il me manque des armures, il me manque quoi d'autre? Il me manque de l'infanterie. Il manque de l'infanterie. On va déjà faire un peu d'infanterie niveau 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Ouf. J'ai plus que 162. D'accord. Il me faut 125. Allez, mets-en.
Mais moi, s'il trouve comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? 126, c'est tout, je ne peux pas faire beaucoup plus que ça. Est-ce que j'ai des gens que j'ai perdus là-dedans? Non. Est-ce que j'ai des gens que j'ai perdus ici-dedans? Non. Ici, non. Ici, non. Ici, oui. Toi, tu as perdu des line troops. Tu vas prendre des line troops. Sauf que je n'ai pas de sous pour les line troops. Mais tu me coûtes pour une line troops, mon petit. 6, c'est trop. C'est trop. Allons plutôt faire autrement. Allons déjà vider les 600. Non, on va les garder et ils n'auront qu'à aller se faire distribuer où il y a besoin. Et puis c'est tout. Par contre, on peut faire du replace. On peut faire du replace. Du replace, line troops 2. Line troops 2. Line troops 2. Ici, line troops simple. On va pas tout remplacer, mais on va en faire quelques-uns. Voilà, on va faire deux. Voilà. Ça me coûte zéro. Tiens, un petit mélange, hein. Et puis le reste, il reviendra tout seul.